5. Faut surtout pas devancer le départ et ce ne sera pas le cas. Excellent départ pour Stevenson et Nicolas Rousse. Et Rousse, lui, avec 9 points d'avance, possiblement qu'il va peut-être jouer un peu plus prudent et se contenter d'une deuxième place. Et pour l'instant, on est côte à côte. Rob Stevenson et Nicolas Rousse, ces deux messieurs qui se... ces deux jeunes messieurs qui se battent pour le championnat. Et là, on est vraiment nez à nez dans cette course. En troisième, Kent Anderson. Stevenson à l'intérieur. Et oui, Nicolas Rousse. Nicolas Rousse est arrêté dans le virage. Et ça va resserrer la course au championnat. Est-ce qu'il y a eu un problème dans le virage? Il était côte à côte avec Rob Stevenson. Et on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est produit. 111 km/h à la vitesse moyenne, donc tout près de la vitesse d'Éric Langevin. C'est donc Kent Anderson qui est maintenant deuxième, il était troisième. Et Bobby King en troisième place, suivi de Sherry Diabo et de Nicolas Rousse. Donc, Rousse, avec une cinquième, perdrait 4 points au classement s'il finit à cette position-là. Alors, on n'a pas vu dans le tournant, on était vraiment côte à côte et soudainement, on a perdu de vue l'oiseau bleu et il a été arrêté, il a dû redémarrer son bateau. Et actuellement, il est cinquième. Et là, bonne troisième place là, pour Bobby King dans le crush. 112 km/h pour Stevenson. Il est aussi rapide que ce que nous a donné tantôt Éric Langevin. Et Nicolas Rousse qui va sûrement essayer de rejoindre là, Sherry Diabo pour la quatrième place et gagner un point de plus au classement. Mais pour ce qui est du bonheur, on peut oublier ça s'il n'y a pas de difficulté mécanique. Une avance très confortable là, pour le wet spot. Et des problèmes pour Dominique Biette, qui est actuellement en 7e place. Et Nicolas Rousse, là, qui ne semble pas reprendre beaucoup de terrain sur Sherry Diabo. 112, encore une fois, au dernier tour, kilomètre-heure de moyenne. Donc, Stevenson, là, qui est vraiment dans les plus rapides. Voici Nicolas Rousse avec encore 2 tours à faire. Encore du temps pour lui s'il veut aller chercher la 4e place. Et Stevenson là, qui se rapproche de Dominique Biette qui aura un tour de retard. Donc, de toute évidence, des problèmes pour le all-in. Et c'est fait. Colera se rapproche un peu du OCR Racing avec un tour et demi à faire. Donc, drapeau blanc, dernier tour pour Rob Stevenson. C'est toujours Kent Anderson et Bobby King en troisième. Et de toute évidence, ce sera son meilleur résultat pour lui. Il est seulement qu'à son deuxième événement de course. Et Nicolas se rapproche du CS18. Ce serait important pour lui d'aller chercher la 4e place. Il reste un tour. Alors que Stevenson complète déjà, lui, son dernier tour pour aller chercher le drapeau quadrillé. Voilà la victoire du wet spot, Rob Stevenson, qui vient de resserrer la course au championnat avec cette victoire. Deuxième, Kent Anderson. Troisième, Bobby King. Et je pense que ce sera trop tard pour Nicolas Rousse là, pour la 4e place. Ce sera une 4e pour Sherry Diabo et 5e l'Oiseau Bleu et Nicolas Rousse. Et ça promet pour la finale. On a maintenant plus que
4 points d'écart entre Nicolas Rousse et Rob Stevenson. Paul-Martin Mathieu, qui va finir sixième, sera suivi de Dominique Billette.